Démarrons donc le live sur Jacques Dragon qui chie sur Dragon Age Inquisition en disant que c'est de la merde de A à Z, mais qui joue à The Division. C'est paradoxal. Très paradoxal. Du coup, bonsoir. Et ce soir, nous allons faire un jeu qui promet grave sa mère. C'est par les devs de... comment ça s'appelle? De Myst et Riven, si je ne m'abuse. Ça promet vraiment, vraiment. Du coup, j'ai joué juste quelques secondes pour voir si c'était bien le jeu que je pensais. Et oui, c'est bien le jeu que je pensais. Donc, ça promet. Hop. Si, il y a un fin, il y a une fin dans No Man's Sky. No Man's Sky, pardon, pas New Man's Sky. Ça sera la suite, ça, New Man's Sky. Il y a une fin, hein, mais elle est nulle. C'est, vous pouvez dire que ce n'est pas une fin, mais ça reste une fin. Salut Zach Bravel. Ouais, mais Loken, moi je préfère qu'un jeu passe longtemps en dev et sorte bien fini, comme The Witness, plutôt que on en parle trop et qu'il sorte et que ça soit de la merde, comme No Man's Sky. C'est pas toi qui as joué à un jeu assez pourri dans l'expo de Planète No Man's Sky. Oui, mais justement, J'ai joué à No Man's Sky et c'était caca. Mais je ne défends absolument pas No Man's Sky. N'allez pas dire ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la très belle courbe de fréquentation du jeu. Elle est sublime. Oui, Baganus, ça c'est ça. Je m'acharne. Je vous montre quand même cette courbe de fréquentation. Hop. Je vais essayer de la retrouver. Hop. Tac. Et voilà. Alors, on ne critique pas Division et D.A. Inquisition. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai joué à un jeu, donc je n'ai pas le droit de critiquer d'autres jeux. Tu sais que j'y ai joué pour montrer qu'il était mauvais, quand même. Comme j'ai joué à... Oui, vas-y, Jean, dis-moi le jeu et on le fera gagner. J'ai joué pour dire qu'il était mauvais, comme pour comme The Division. D'ailleurs. Attention, The Division est carrément meilleur que No Man's Sky. Au moins, il y a un petit peu de contenu, on peut jouer quelques heures avant de se faire chier mortellement. Mais voilà. Non, cette courbe est vraiment belle. Perdre 90% de ses joueurs en 10 jours. Ah, d'accord, Xarkav. Du coup, j'attends la réponse de Jean. Yeah! C'est Brave qui dit. Je te fais des bébés samedi plus petits que 3P. Plus petit que 3P. Plus petit que 3P. Ça fait pas beaucoup. C'est un peu ça, Caster. Lethal League. Hop. Par contre, je crois que c'est League. Je crois. Hop, concours. Le concours Lethal League. La question c'est... Hop. Voilà, c'est parti. Quel est le meilleur jeu du monde? Est-ce que c'est No Man's Sky, Soma, Fallout 4, Jean-Michel Apathy ou celui que vous voulez? Et donc c'est un cœur, hein. Le Alt machin, c'est un cœur. Imaginez que c'est un cœur. Donc je précise que il y a Lethal League à gagner grâce à notre ami Jean. C'est un piège, vous pensez? Je ne sais pas. J'ai chaud, grave sa mère. Je pense que je vais mourir pendant le live.
Ah mais Kizan, tu as le droit d'aimer Fallout 4 récemment. Salut, 51. Salut Fox Pro. Il fait bon avec la clim, ouais, ça c'est vrai. Meilleur jeu, ce sont les VOD de Soma parce qu'elles n'existent pas, tout à fait. Les audiences. Mais c'est quoi encore une fois? J'adore le fait que vous partez du principe que quand il se passe quelque chose de particulier dans un live, des gens arrivent. Je trouve ce principe génial en fait. Genre, ça va être trop. Putain! Je sais qu'il se passe quelque chose là-bas! Et vous y allez. Je crois que le visage était retouché, mais non. Non, non. Je pense que je vais retirer le pantalon. Ah, Fox Pro a sa GTX 1070. Ben, j'ai un ventilateur, mais il est utilisé par quelqu'un dans la chambre. Je pense que je vais aller le voler en vrai. Bon, allez, on arrête le concours. Et donc, le vainqueur, ou la vainqueuse, Chris Tress. Et donc, Medley 1991. Bravo à toi. Peux-tu confirmer ton adresse email? Enfin, confirmer le fait qu'il y a un 03 dans ton adresse email, s'il te plaît. Medley 1991. Effet bouche-oreille de masse. Mais oui, mais non. Bien triché. J'aime bien l'idée de qu'on doive tricher pour gagner ce genre de concours. Il y a quand même 7 personnes comme No Man's Sky. Très bien. Eh bien, tiens, Jane. Hop, je te chuchote ça. Alors, soit dit en passant, j'ai joué un petit peu plus à Deus Ex. Donc, déjà, l'intro est vachement plus sympa quand on fait. Comment ça s'appelle? La réponse était celui que vous voulez, bien évidemment. Déjà, il est vachement plus sympa quand on fait de l'infiltration. Forcément. Il est vraiment spécialisé là-dessus, quoi. Et la ville de Prague est vachement fournie. J'ai fait toute la première zone, bah, je pense, à peu près 100% de ce que je peux faire dans cette partie de l'histoire. Et j'accède à la deuxième zone, qui est pareil, peut-être même plus grande que la première. Et il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment plein de trucs à explorer, plein de petits détails, etc. C'est plus fourni que le premier épisode. Je ne sais pas s'il y a plusieurs zones comme ça, je crois que non. C'est dommage, parce que ça aurait été vraiment cool, on retrouve vraiment le plaisir de d'avant. Par contre, encore une fois, quoi, vous avez vraiment de quoi faire un personnage très rapidement OP, quoi. Enfin, genre moi, là, j'ai tous les trucs de piratage quasiment. Donc bon, ça monte vite, quoi. Mais c'est vraiment cool. Après, l'IA est vraiment stupide. Le jeu me paraît vraiment facile. J'ai eu aucun problème à faire de l'infiltration, même en bourrinant, quoi. Genre, à un moment, je me suis dit, on va aller tester, quoi. Et non, ça passe, carrément. Donc bon. Alors, Dead Cat, c'est la vidéo la plus vue d'Internet. Je l'ai partagée, genre, une fois, il y a 1000 ans. Et depuis, on l'a repartagée 1 milliard de fois. J'ai dû la partager genre quand elle a été faite, c'est-à-dire genre la veille de la sortie PC, et depuis on l'a repartagée 1 milliard de fois. Donc voilà, après, quand. Clairement, le jeu pourrait être plus joli, et ça, c'est pas de la qualité du tout de Deus Ex 1, mais c'est à peu près similaire à Human Revolution. Donc voilà, si vous avez aimé Human Revolution, je pense que vous apprécierez. Du coup, je vais chercher Jexo et je vais aller chercher un ventilo après. Hop, 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 boum. Non, me fais pas la mise à jour. Boop. Et voilà. Bonsoir, Jex. Bonsoir et bonsoir live. Du coup, hop. Du coup, je reviens, je vais chercher de l'air. À tout de suite. Hop. Et Jacques va vous parler de son amour pour No Man's Sky. Ou Fallout 4. No Man's Sky, c'est trop bien, on peut tout faire.
On peut construire des bases, faire des élevages, on peut même faire du multi et s'attaquer à d'autres joueurs. Et il y a des dogfights où il y a plusieurs factions qui se tapent dessus et tout, et nous on arrive, on peut prendre un peu des qui on veut. Et voilà. Voici. Ah, je crois qu'il était dans toi, mais en fait Bon, non, j'espère que vous l'entendez il pas chez l'autre. trop. Et voilà. Rebonjour. Heureux. Ah, Mangan InUSA. La musique Pokémon Go, soit dit en passant, a été reconnue sur YouTube et donc je ne peux pas monétiser cette Ah, t'as vu la bande-annonce? Apparemment, ils vont faire un remake de Dark Souls 1. Non. Quand c'était. Ah non, c'était. Ah, c'était le DLC du 3. Ah, ah là là, forcément, il l'avait préparé. Ah. Ouais, il y a tellement eu de. Enfin, je sais pas, ça fait tellement recyclage que j'ai cru que c'était Dark Souls 1 tellement encore. Phoenix of Flame, Deus Ex Human Revolution n'est pas du tout ni un remake, n'est pas du tout un remake, c'est un préquel vraiment du premier. Ça n'a rien à voir avec le premier. Et je vous conseille de refaire le premier. Et du coup, oui, le DLC de Dark Souls 3 va explorer la zone de merde du tableau là dans Dark Souls 1, je sais plus le nom, qui était très cool. Donc, pareil, ça va être sympa de revenir là-bas. Mais déjà dans Dark Souls 2, je crois qu'il y avait une zone qui ressemblait. Donc voilà. Eh ben, mec, il se fout pas pour faire deux jeux. Ah, c'est vrai que c'est bizarre de revenir dans le même monde. C'est un peu comme si dans Zelda ça faisait la même chose ou que dans Mass Effect aussi. Tu sais, on revenait à la citadelle. C'est quand même bizarre. Non? Que dans le 1, dans le 2 et dans le 3. C'est pas la même citadelle, hein, à chaque fois. Si? Non, mais c'est pas le même lieu. Ah bah oui, bah là non À plus. chaque fois, ça change. Bon, bah si, là, on revient exactement dans le même lieu, c'est n'importe quoi. Oui, qui a vieilli. Genre comme dans Bon, Mass je vais mettre Effect. Maxime sur TeamSpeak, voilà. Je sais que ça ne veut pas reconnaître la vérité, c'est triste. Du coup, tac, hop, et on va lancer le jeu. J'espère qu'il est bien, sinon je serais très déçu. Hop, on va voir ça. Ah, par contre, j'ai pas réglé le son du jeu. Bof, on verra bien. Ah, il y a Joker Parano qui essaie de te mettre une musique dans la tête. Je vois pas. Ah, si. I play Pokémon Go, ouais. Et vous pouvez me le mettre dans la tête, ça me pose pas trop de problèmes. On va faire une nouvelle partie. Donc, on a le choix entre déplacement libre et nœud. Je ne sais pas ce que c'est que nœud, je pense que c'est comme dans Myst. J'ai C'est la même compris citadelle, nu. mais pas la même zone. Oui, c'est ce que je dis. Donc, on peut avoir l'ombre masculin ou féminin. Allez, on va mettre féminin. Nom de la partie, beat. Et c'est parti. Je crois que c'est en français, même si ça met. Je sais pas. We Oui, c'est all voilà. lost everything. Everything but our stories. And they shouldn't be forgotten. I was 30. En fait, tu te demandes si tu es une ombre masculine ou April féminine, c'est pour pas te demander le sexe du Cecil was personnage. Oui, c'est ça. 1870 for you. Sam and Vera, you could tell it Peut-être qu'on like it n'est pas was humain aussi. yesterday, but it's been 62 years since you saw that blast of light. Oh. Mon Dieu, un générateur de particules. Je trouve le jeu, alors techniquement il est pas au top, mais par contre la DA elle est là quoi. J'aime vraiment bien. That's where all of our new stories began. Streaked across the sky. Mesmerized. But unnerving. Even in daylight, Joseph, you said, was gloriously bright. But in the twilight, it was spellbinding. Les effets de lumière sont Whether it très was in the sympas. deep woods like Cecil, or right outside town like Jane and Jenny, we were drawn C'est vraiment cool. to see more.
Vera, you said you recall smiling. None of us understood. But, well, we followed. And we all felt some kind of trepidation. Et la voix fait comme si on entendait un enregistrement déformé ou que c'était un robot. Mais c'est sympa. Elle approche. Ah oui, elle approche. There was no turning away. It advanced almost like. T'as rien loupé avec Arkham, c'est le début là. On sait pas grand chose de ce qui s'est passé. Slowly until, well, found us, each of us. We should tell these stories because it saved us and. Ça m'a fait peur. On dirait une pomme de pain géant. Une pine de pain. Alors là. C'est vraiment cool. Putain, ça gère la projection sur particules. Et donc nous voilà dans le jeu. Donc j'ai joué jusque là, hein, les gens. Pour vous dire que j'ai pas joué très longtemps. Alors je ne sais rien du jeu, hein, je précise, je le découvre autant que vous, je suppose. J'espère que c'est cohérent. Bah, on verra bien. Pas comme d'autres jeux dont je ne citerai pas le nom. Tu veux dire genre The Division? Non, Prince of Persia? Dungeon. Oui, qu'il y a des boss qui ont rien à voir avec le titre, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que dans Prince of Persia, ils ont tout à voir avec le fait que. Si, bah oui, c'est tout en rapport avec le sable. Tout en rapport avec la. Comment ça s'appelle? La Perse? Bah ouais, ça se passe en Perse. Ah, mais les boss, faut qu'ils soient tous Perses. Bah, n'importe quoi. Ah! What? D'accord, en appuyant sur espace, je peux prendre une photo. C'est un peu bizarre, mais... Frexit demande c'est quoi le concept de jeu, il a rien trouvé en le chargeant. Bah, je pense que c'est un jeu d'exploration et énigme. Vu que pour moi, il y a gens... personne. Hein. Vu que les gens... Il est marqué qu'il y a personne dans le jeu. Donc. Vu que ce sont des développeurs de Myst et Riven, je pense que c'est ça. Wow, d'accord. Ah, et vache. Pas mal. Hop. Welcome to Unras. Bienvenue à Unras. Ah, je suppose qu'il faut appuyer sur le petit bouton. Hello. Bonjour. Ah merde, c'est très très Myst, c'est ça. Hola. Hello. De quoi les gens? Ni hao. Welcome to Hunrad. My name is Yosef. I am the mayor here. You are most probably a bit confused and disoriented. But let me reassure you, everything will be fine. You're not the first to go through this experience. The others who have come before you will help you adjust. Follow the trail to the house with the white picket fence. Fali will meet you there and introduce you to your new life here. En tout cas, c'est très intriguant. Et j'aime beaucoup le fait d'utiliser du... de la vraie vidéo dans le jeu comme ça, c'est vraiment rigolo. Alors déjà, c'est grand. Hein. On va aller voir là, un petit peu. Oh shit, y'a un truc qui vole. Y'a une grosse libellule qui vient de se barrer là. Et elle rentre dans son nid. Très bien. Putain, c'est super grand et space. Vide. Et vide, putain, quel gros connard. On va faire un vote après pour retirer Jax du jeu. Tu l'as. Pardon. Non, c'est les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Ça dérange. Ah, je vois une espèce de libellule de la mort. On dirait plus un robot guêpe en fait. J'espère que c'est pas ça qui doit m'accueillir.
Un canal trop vu que niveau design, c'est magnifique. Ah, c'est sublime, c'est vraiment. Bah, pour le coup, ça me refait un peu le même effet qu'il y a quand on commence The Witness, quoi. C'est vraiment genre immense et vraiment, vraiment riche en détails et en DA, quoi. Et Began Usain qui dit: j'ai déjà vu cet épisode, fais gaffe aux machines, elles ne connaissent pas ton organisme et attends le docteur. Référence à Doctor Who. C'est vraiment chelou. Duckman demande ce qu'est-ce qu'il propose niveau gameplay, le jeu, à part marcher. Bah, de l'interaction, marcher. Enfin, c'est un peu bizarre de demander ça dans un jeu d'aventure, quoi. Ouais, et alors ? Voilà, t'arrives. Voilà. Ça va. Alors, dans Monkey Island, en dehors de cliquer sur des objets, de faire des interactions entre objets et des dialogues, il y a quoi ? Bah, oui. Effectivement. Non, parce que là, on voit que marcher, donc il demande quelles interactions. Là, on peut cliquer sur des objets, voilà. Alors, à Caroline ou à toute personne qui pourrait revenir, ça fait 5 jours et pas une âme n'est revenue. Ceci m'incite à penser que les choses ne se sont pas bien passées. Pourtant, étonnamment, je suis toujours en vie, ce qui me rend extrêmement perplexe, tout en me laissant un peu d'espoir. Je me suis retiré dans ma crypte pour me protéger et réfléchir. CW. Très bien. Je me demande si... Dommage. Avec un petit moteur physique, ça aurait été du plus bel effet. Ouais, le jeu est à combien, demande Alec Barr. Je ne sais plus. Je l'ai acheté sur Humble Bundle, mais je ne sais pas le prix. Je crois que c'est 20, ouais, 20 30, un truc. Je crois qu'il est à 30 euros. Ouais, 30 euros, quelque chose comme ça. Farless Community Center. Petite fanfare. Et une meuf. Il est à 30 euros sur Steam. Welcome. Early, it's probably not safe here. To be blunt, we're getting ready for a battle. What? I don't know what you'll find. I just thought I should. Just be cautious with who you trust. CW. Attends. Mais j'ai pas dit le à part. Just be careful. I've got to go. See you soon. And don't panic. As jarring as this experience is, you really will find Hunter at a decent place. Vraiment intéressant d'avoir un message coupé par un autre message, ça c'est vraiment cool. Tu disais... Duckman disait... attends, j'ai pas dit le « à part marcher, ne défendent pas mes propos, j'ex ». On s'est demandé c'était quoi le gameplay du jeu. Après, c'est que moi j'ai exagéré un peu. Quel salaud. Par contre, contrairement à certains autres jeux, on peut courir à une vitesse qui est vraiment cool, je trouve. Ah, un autre message. Mise en garde. Rester à l'écart de tout ce qui peut ressembler, même de loin, à ce schéma... Jusqu'à désactivation. Ok. Donc il y a une traduction française intégrale, hein, comme vous pouvez le voir. Si ce n'est les voix, mais tant mieux, ça permet d'avoir une... Dommage. Une meilleure... comment ça s'appelle ? Une meilleure direction d'acteur. Les reflets, par contre, c'est pas la joie. Hein. Regardez, ça fait vraiment genre ça a été projeté sur une image 2D. C'est un peu moche. Mais bon, c'est pas grave. Moi je trouve ça bien par contre qu'on puisse courir vite, parce que bon, dans un jeu qui est hyper grand, si je commence à devoir faire des allers-retours ou quoi, c'est... Bah c'est ça le truc qui me frustre dans certains... C'est bizarre de trouver un petit jouet comme ça. Ce zoom est très près de mon visage. Chauve-Souris adore le décor, ça lui rappelle son voyage aux USA. Ah bah ça ouais. Enfin, sauf si t'as été à Seattle, ben, je pense que pas du tout, tu vois. Mais si t'as été Colorado. Jacques Arnaud, il dit: non, Jacques, non, c'est pas le sujet PO versus VF. Est-ce que ça interagit en live? Ça n'a pas... Ah si, oui, ouais, regardez au sol. Ça bouge vraiment. Bon, on va pas toucher à ça. Hein. Est-ce que la guêpe était restée sur les oies? J'ai pas fait gaffe. Ce que j'adore, déjà, c'est qu'on nous laisse dans le jeu et c'est genre, allez, démerde-toi maintenant, la gueule. Et ça, j'aime bien. Ah oh bah, c'est pas compliqué de faire un jeu. Non. Quel connard. Ah, c'est vrai, hein. Bah, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça bien.
Ah, attendez. Étrange. Deadcat dit que ça lui rappelle son voyage à Reims. Il y a une pierre apparemment à l'intérieur. Ah, il y a un bug graphique sur les pierres, hein. Ça fait des trucs rouges bizarres. Ouais. Je savais que ça prenait les jeux vidéo. Donc encore une fois, rester à l'écart de tous ces trucs-là. Axel dit à des derrière de toi ma gueule, comme dans No Man's Skies. De quoi ? Merde-toi dans No Man's Sky. Alors c'est absolument faux, parce que dans No Man's Sky, je rappelle quand même qu'il y a un tuto qui dure à peu près 3 heures. Donc non, pas comme dans No Man's Sky. Du coup, c'est un mauvais exemple. Putain, ça veut pas bouger ? Ah non, j'étais pas assez près. Intriguant cette petite mine. Est-ce qu'il y a... Il y a une grosse pierre. Voilà tout. La musique est pas mal. J'espère qu'après tout ça, on va parcourir le chemin dans le wagon. Hein, parce que... À un moment, peut-être. Hop. En fait, c'est ça. C'est la seule énigme du jeu, c'est faire bouger des leviers. Peut-être, on ne sait pas. Oh, des photos de chiens. Baker récompense item. Pourquoi dans The Witness, t'avais l'entrée en la matière plus rapidement? Bah, dans The Witness, c'est un vrai jeu de puzzle plus que d'énigmes à proprement parler. Donc ça justifie le truc, c'est qu'on doit vraiment t'amener à... comment ça s'appelle ? À comprendre comment ça fonctionne. Là, si c'est à la miste, etc., c'est pas forcément le cas, c'est peut-être des énigmes très, très ciblées. Et donc, en plus, là, il y a une histoire, là, non ? Parce que dans Witness, il n'y en a pas vraiment. Bah, il y en a une, mais elle est très en retrait dans The Witness. Et puis, elle est pas du tout accessible. Bah, c'est comme dans Braid, quoi. C'est genre, tu vas croire que t'as compris, et en fait, t'as rien compris du tout. Oui, parce que tu peux récupérer des étoiles et tout pour avoir une seconde truc, enfin. Bah, t'as toute la partie avec les vidéos que personne ne trouve quasiment, donc... enfin, personne. Sans Solus, c'est un peu chaud à trouver d'un coup. Allez, petite vidéo. We have a healthy, thriving community here, as you can see. Our garden was planted years ago, and has supplied plenty of food for many generations. The buildings around town serve multiple purposes, including housing, schooling, and storage. I'm sure you have run across a number of folks. C'est trop bien. Many were brought here, like you. And some actually were born here. We all feel we are part of the whole. Ben oui, j'ai clairement rencontré beaucoup de gens. Hop. Après, je ne sais pas s'ils ont fait un jeu 100% exploration ou pas. Je fais référence notamment aux jeux comme Dear Esther. Sur Steam, il y avait marqué puzzle, je crois. Non, d'accord. Attends, je ne sais pas. Il y a des gens qui... Je me suis absolument pas renseigné, hein, donc je ne pourrais pas vous dire. Dans les tags, il y a marqué puzzle. D'accord. Bah, écoute. Il ne faut pas aller par là. Donc ça vient forcément de... Kizan dit que pour l'instant ça fait très simulateur de parc avec un guide tous les 30 mètres. Oui, mais un beau parc. Ah là, je ne suis pas seul à critiquer le jeu, hein, donc... Hop. J'ai entendu une base. La DA est vraiment vraiment sublime, quoi. C'est vrai que c'est joli à regarder. En plus ça fait bizarre les parties violettes. Baker récompense item. Peut-être les photographier, je sais pas. Attendez. Ah non, d'accord. Baker. En fait, c'est moi qui. Attends, on va prendre. Baker, vous savez. Oui, pour Kickstarter. Voilà. Parce qu'en fait, le jeu a été kickstarté. J'ai peut-être oublié de le dire. Ok, qu'est-ce que c'est que ça?
peut-être que les énigmes sont plus tard, peut-être. Ouais, je pense pas, là, ça a l'air d'être une énigme, ce qu'on voit là. Oh, putain, l'eau est vraiment... vraiment jolie, tout en étant... pas très réaliste, mais il y a vraiment des effets de courant qui sont vraiment super intéressants. Genre, ça agit vraiment comme de l'eau à certains endroits. Mais... ouais, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas plus... bah ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a... visuellement, quoi. Tout n'est pas top, mais ça rend vraiment bien. Voilà. Ah merde, il y a une grosse mousse dégueulasse qui est sortie encore. Une grosse abeille. J'espère que les abeilles sont pas méchantes à la fin. Ouh, cette porte est super intrigante. Ouais, le retard aussi, ça lui fait penser à Zoé. Et petit Bobby, il dit qu'on dirait le train de la mine à Disneyland. Il y a quelqu'un qui nous parle. Ah, attendez. Oh! C'est trop bien de reposer sur... c'est trop bien de reposer sur la technologie du... d'avant, quoi, de... comme dans Myst, etc. Je trouve ça trop bien. Carfing Mofang, d'accord. Franchement, ça marche plutôt bien, hein. Ça garde le côté un peu kitsch qu'il peut y avoir dans Myst, tout ça, mais il y a de la technique derrière quand même pour avoir les ombres projetées, et c'est pas trop, c'est pas une incruste trop dégueu, donc ça passe, je trouve. On va dire que techniquement, le jeu a quelques ratés, mais la DA rattrape absolument tout, je trouve. Wouh, on peut monter. Chauve-souris demande si le live Minecraft est toujours d'actu. Le live Minecraft est toujours prévu. Il y a quelqu'un d'ailleurs, je crois que c'est Pipix du live, qui prépare en fait un petit une map, tout simplement. Attendez, je crois qu'on peut ouvrir la porte. Qui prépare une map pour que j'apprenne un petit peu à jouer, tout simplement. Pourquoi la cascade est vraiment moche à regarder? Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, la DA est là. Non, encore mais une fois, j'ai pas choisi vraiment une autre texture pour l'autre, parce que là... ouais, après, c'est franchement... ça casse un peu le délire, je trouve. Oui et non, je sais pas. C'est comme dans The Witness, il y avait des textures qui étaient pas hyper top et par rapport ouais, à d'autres. Mais ouais. The Witness, ça faisait plus peinture aussi, des décors, ouais. Si je me souviens bien. Alors que là, ça fait plus... ah, je sais pas, hein, quand t'es tout prêt, ça fait pas très... ah, trop bien, vous pouvez verrouiller le curseur comme ça. Genre comme ça. Après, c'est joli, hein, mais c'est, moi, je trouve vraiment que des fois, l'eau au sol, ça va, mais l'eau en cascade est vraiment horrible. Ah, mais regarde, d'ici, par exemple, l'eau, elle rend vraiment super bien. Je pense que c'est un problème technique. Même ici, elle est pas trop mal, hein. C'est vrai qu'en cascade, elle est pas belle, mais bon. Est-ce et alors là, qui dit pourquoi les jeux les plus jolis, ça, toujours ceux où il se passe rien. Putain, et ça c'est cool quand même. Ce que je viens de faire. Le 51 hein, demande ce que tu penses de Deus Ex au final. Deus Ex, pour l'instant, je pense que c'est un jeu sympathique, comme l'a été Human Revolution.
Maintenant, est-ce que ça va changer ma vie? Non. Est-ce que c'est un retour à un jeu à la comment, à l'ancienne comme Deus Ex 1? Non. Voilà. Redemander dans quelques semaines quand il aura fini le jeu. Voilà. Moi, je vais refaire un live dessus quand j'aurai un peu avancé, là, je pense. Jackman qui dit oublie pas que ça reste un jeu indé. Oui, c'est vrai. Enfin, Ethan Carter, c'est indé aussi, non? Ouais, enfin, Ethan Carter, pour le coup, c'est joli et c'est tout, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose dans le jeu quand, par rapport à. Enfin, je trouve que c'est joli, mais très très vide. Il y a pas de. La DA s'arrête très vite, quoi, je trouve. Ouais, c'est la nature. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que la nature, tu l'as fait ou tu l'as fait pas. Là, les rochers, ils sont intrigants. Je trouve que la forêt d'Ethan Carter, c'est genre. Ouais, c'est bien, mais enfin, j'ai déjà été dans une forêt plein de fois dans ma vie, et oui, ça ressemble à ça, c'est vrai, mais en fait, je m'en fous, quoi. Ah, oh, t'as des beaux panoramas quand t'étais sur le pont et tout. Mais je trouve que c'est pas. C'est pas ouf. Et voilà, après, franchement, Ethan Carter est très joli, hein, je vais pas dire le contraire. Sinon, il y a Aventure Académie qui demande est-ce qu'il y a quoi de si bien de Deus Ex 1? Bah, fais-le, tu verras ce que c'est que la vie. En gros, Deus Ex 1, bah après, attendez, hein, le jeu, il date de 98, je crois. Donc, prenez du recul aussi quand vous jugez le jeu, parce que ça, vous pouvez pas le juger comme on juge un... Parce que c'est moche, quoi. Un jeu maintenant. Bah, il y a des mods qui permettent... Ouais, des mods pour remettre un peu le graphisme moins moche, on va dire. Voilà. Mais, ça reste vieux, quoi. Bah, même à l'époque... C'est un jeu 3D, quoi. Même à l'époque de. Comment ça s'appelle? Même à l'époque d'Half-Life, il était pas ultra beau, hein, donc c'est pour vous dire. Ouais, mais le reste rattrape. Voilà, après, en gros, vous avez un univers qui est quand même cohérent, vous avez une véritable. Immersion dans le jeu, dans le sens que bah, quand vous arrivez à une zone et que vous n'avez pas les améliorations qu'il faut, vous n'avez pas adapté votre gameplay, bah, vous pouvez juste pas y aller, quoi, vous l'avez juste dans le cul. Et ça, c'est cool, parce que ça vous donne envie de chercher une autre solution, quoi. Ah, attendez. The waterfall. Part of our ecosystem here is our supply of water. It means the supply is a natural process of the system itself. Essaye de rentrer derrière les cascades. Bah, pour l'instant, non. Although the entire system is very closely tied together. The fact that one of the most important necessities of life has been provided to us has led many to believe that this place has a purpose. Others attribute to a complex natural process, which we one day hope to understand. But either way, we are glad to have all the water we need. C'est vraiment bizarre. Alors, qu'est-ce que ça sert? D'accord, ça permet d'ouvrir les vannes. Sauf que c'est bloqué. Chasseau-Man espère que le cyberpunk de CD Projekt va apporter un vent de fraîcheur au cyberpunk. J'espère aussi, mec. Mais bon, je sais pas s'il faut y croire. Je pense que ce truc-là, il marche quand c'est fermé, je sais pas. On va voir l'impact que ça a après. Bordel, toutes les portes sont fermées. J'essaie de voir derrière, mais... Alors, Mysterium, le jeu, c'est un genre de jeu d'exploration puzzle, en fait. Voilà. Bah, voix mixte, mais moderne. Ah, ça marche! Non, fuck. Ah non, c'est bon. Putain, c'est cool! Putain, ça change là d'un coup l'ambiance. Putain, il y a des guêpes. Non, c'est les papillons, tout va bien. Merde, ils sont en 3D les gens! Ah, encore. Non, je veux dire, le nombre de jeux où ils sont en 2D.
Fais-moi pardon si tu as vu le dernier train pour Busan. Non. C'est vraiment joli. Ouais, et là je pourrais y aller que si je fais descendre ce truc de l'autre côté. Très bien. N'empêche qu'on n'a pas du tout été à droite au début. Mais quand même, qui dit que pour l'instant c'est un bon simulateur promenade. Bah ouais. Et c'est cool. Ouais, c'est pas... Hop. Ah, y a pas d'énergie. Après, les gens, si vous aimez pas les jeux de réflexion et de contemplation, ça n'est pas pour vous, clairement. C'est comme The Witness ou des jeux comme ça, c'est des jeux où faut aimer... The Witness, il y a beaucoup de puzzles. Bah là, il y a des puzzles, c'est juste qu'ils sont moins obvious que dans The Witness. On voit bien que là, il n'y a pas d'énergie, là, il y a de l'énergie, il y a des trucs qui se déclenchent, d'autres qui se déclenchent pas. Là, je viens de faire un puzzle, techniquement. Donc voilà, c'est tout. Après, encore une fois, tous les jeux ne sont pas ne sont pas faits pour tout le monde, c'est tout. Moi, perso, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup explorer, me poser, réfléchir, profiter du décor, et voilà. Alors, attendez, regardez. On est ici. Là, il y a la sphère, les tunnels, les scraps, le garage... Farley. D'accord, j'étais à Farley. Là, il y a la ville et CW. Il faut faire gaffe à CW. Très bien. Hop. Petit Bobby demande si tu as vu 28 jours plus tard ou la nuit de mort-vivant. J'ai vu 28 jours et 28 semaines et j'ai beaucoup aimé. J'ai vu la nuit de mort-vivant, mais je trouve ça a beaucoup plu. Où est-ce que ça amène? Ça amène. Bouniafi trouve l'ambiance excellente. Hein. Je suis bien d'accord. Bah, puis on a vraiment un vrai mystère. Ça me fait un peu penser. La dernière fois, on avait joué l'autre nuit à. C'était pas The Long Dark, c'était Kona. Et le souci de Kona, je trouve, c'est que. Bah, le mystère, au fait, on. Il retombait vite, parce qu'on savait qu'il y avait une créature, quoi. Et on savait que c'était vrai. Là, putain! Eric Stone. Pourquoi il y avait une créature? Dans Kona. Ah oui. Ah, attendez, on peut appeler quelqu'un, en fait, à mon avis. On peut peut-être appeler l'opérateur. À tous les coups, là, il y a un code à faire. 1971, on va essayer. Attendez. Hey, y a un truc qui s'affiche en haut à droite, en haut à gauche. Voilà. Et là, oui. 19. Non. Tu sais, tu peux ça marche si tu déverrouilles le viseur pour pas avoir bougé la caméra tout le temps. Oui, je peux faire ça. Attendez. Je peux faire... voilà, ça. Si j'ai envie. Bon, bah, apparemment, c'est pas ça, le code. Ouais, c'est pour éviter que les gens qui oui, regardent c'est pas ça. Faux. Va... Hop, en parlant de voum voum. Les gens m'envoient des messages. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Kona, c'est pas le jeu là, dans le froid? Ouais, c'était ça. Oh, il est un peu chiant, je trouve. Bah, le problème de Kona, je trouve, c'est que pour le coup, il lui manquait une bonne DA, quoi. C'était vraiment un jeu intriguant, mais ça s'arrêtait là, quoi. C'était intriguant sans plus, quoi. Moi, c'est vrai que sans...
Robin Wazir. Sans DA, les jeux lents, ça va vite me saouler en fait. Parce que, et c'est pareil avec. Je reviens dessus, mais dans No Man's Sky, c'est ça quoi. Pour moi, il y a. La DA, elle est complètement ratée et c'est ça qui est dommage. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il manque de l'essence. Vous voyez, hop. C'est beaucoup plus terre à terre que. Comment ça s'appelle ? Que The Witness. Les énigmes semblent. Voilà, vous arrivez, il y a ce problème-là, il va falloir le résoudre. Comment vous allez le résoudre ? Ça, après, c'est. Ouais, ça peut être une machine. Pas facile. Ah, mais c'est ça le truc. Dans Myst, c'était pareil, c'était des énigmes complexes, fallait vraiment réfléchir. Voilà, bon là pour l'instant on n'a rien trouvé de vraiment complexe, on va voir si ça ce que je fais ça a un effet ou pas, je crois pas. Mais bon. Hop. Non. C'est pas grave. Bon, là on va explorer, hein. Je pense pas qu'on va résoudre grand chose. Simplement parce que... Putain, du coup, ça fait trop penser à The Witness, j'ai envie de faire le truc avec les ombres. Matter Hile. On dirait vraiment qu'il y a une partie du monde qui s'est téléportée ici, quoi. C'est vraiment beau. Franchement, encore une fois... Ouais, c'est sympathique. C'est vraiment fait avec bon goût. Trop bizarre, c'est une calculatrice. Voilà, là clairement on tombe sur des énigmes. Maintenant, les solutions c'est encore autre chose. Mais c'est déjà ça. En plus, je vois même pas combien il y a de combinaisons sur un truc. Ah bah, encore une fois, si c'est vraiment comme ça va vraiment être beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Ouais, on dirait vraiment qu'on est sur une sorte de planète alien. Et que ils ont téléporté. Ouais, okay. Tout à fait, c'est vraiment comme ça. Comme dans Prey, quoi. Ouais. La qualité du jeu en plus, quoi. ouais, tu critiques Prey, mais Prey, c'est mon jeu préféré. Ah, écoutez, vous avez aucun goût. Franchement, Prey, ça y est. Ça recommence. Alors, en même temps, Prey 1 était vraiment pas top. Quoi. Maxime qui insulte sa communauté. Quoi. Si vous aimez Prey 1 et que c'est votre jeu préféré, je suis désolé pour vous que vous n'ayez pas de goût. Écoutez, c'est pas grave, hein, on peut ne pas avoir. Il s'est pas s'arrêté. Si vous n'avez pas de goût, je vous en veux pas. Hein. Alors, je pense pas qu'il y ait des gens qui disent tiens, c'est mon épisode, c'est mon jeu préféré, j'adore. Prêt. Mais du coup, j'aurais bien aimé voir la campagne Kickstarter de ce jeu. Comment ils l'ont présenté. Parce que c'est dur de. Enfin, en même temps, non, quand t'es le mec qui a fait Myst et Riven, pardon. Je pense que tu fais un peu ce que tu veux, tu vois. Mais je pense que c'est ouais. Dur de présenter un jeu comme ça. Wow! Il y a Blue 51 qui dit pour ceux qui aiment Evirine, tu les aimes quand même. Bah, Evirine, c'est pire. Parce... Enfin, au moins, Evirine, si vous l'aimez comme un nanar, oui, d'accord. Si vous l'aimez comme un vrai jeu, vous avez vraiment des problèmes de goût. Hein. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas de culture après. si vous n'avez pas de culture vidéoludique, c'est normal de ne pas avoir de goût.
Oh mon dieu. Mais non, mais je remarque souvent les gens, ils disent, tu sais, genre, il y a des gens, ils font, ah ouais, mais j'aime bien tel jeu et tout. Et tu dis, mais c'est pas terrible. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont juste pas pu tester énormément de jeux. Donc, bah, nécessairement, en fait, vous avez un recul qui est mauvais. C'est comme au cinéma ou les trucs comme ça. Les gens, généralement, qui ont assez peu vu de classiques, bah, forcément, après, leurs attentes sont vachement amoindries, en fait. Et c'est. J'ai presque envie de dire, c'est un bien, hein. Dans le sens que bah, ça doit être cool de redécouvrir les classiques. Moi, c'est toujours un plaisir quand je vois un film qui est un classique et que j'ai jamais vu, quoi. Parce qu'après, c'est pareil, hein, les gens n'allaient pas croire que je dis ça parce que je considère que j'ai la meilleure culture du monde, je sais pas quoi. Je dis ça, c'est vrai pour tout le monde, pour moi aussi. Regardez, en musique, par exemple, je suis une vraie brêle. Hein, et je pense que c'est parce que tout simplement, il me manque une culture là-dessus. Il y a Rodard qui dit que Benzaï aime beaucoup Prey et il l'a fait en live. Ben voilà, bah, s'il aime beaucoup près, très bien pour lui. Moi, après, c'est vrai que je trouve ça vraiment pas top. Mais après, près, tu vois, je pense que tu peux déjà plus le défendre que Heavy Rain, quoi. Outsider dit bien heureux sont les pauvres d'esprit, nous dit Maxime. Tout à fait. Mais c'est vrai, puisqu'ils ont tout à découvrir. Voilà, si t'aimes la merde, c'est cool, parce que c'est vrai qu'il y en a partout, quoi. Genre, dans les mangas, il y a des gens, ils disent j'aime bien le manga, mais ils ont jamais lu les classiques. Et genre, bah oui, mais c'est sûr que si t'as jamais lu Otomo, ou que t'as jamais lu les trucs comme Akira, Nausicaa, même les Dragon Ball et tout ça, bah c'est sûr que Naruto, ça va te sembler vachement mieux, en fait. Après, attention, je crache sur Naruto, j'ai lu que les, genre, 10 premiers tomes. Je ne parle que de ça, et j'ai juste dit que les 10 premiers tomes, quand tu viens de dire Akira et Otomo et tout ça, tu fais genre, ah ouais, bah je vais arrêter. Après, je sais que par la suite, apparemment, c'est Naruto Shippuden, c'est ça, la suite, un truc comme ça. Oui. Je crois que c'est mieux, mais je ne sais pas, je n'ai pas lu, donc je ne vais pas juger, là c'était juste un petit troll. Comme les gens qui aiment Marvel, quoi. Voilà. C'est juste parce qu'ils ont jamais lu de vrais comics. Mais là, c'est une attaque facile, hein, pour eux. En plus, je dis ça, puis ah non, en fait, c'est Luc DDC. Non, j'ai pas lu beaucoup de Marvel. Il y a qui dit comme les gens qui vont voir les nouveaux Star Wars pour l'univers étendu. C'est un peu triste. Ça. Alors c'est parti, on lance une vidéo. The Tree. Ah, il y a un arbre, oui, effectivement. It has been here in Hunrath for as long as anyone can remember. Its health is intimately tied to everything in our little greenhouse. Our cell we live in. Our ecosystem. It has provided many surprises over the years, including some interesting seeds that you will learn more about. Apparemment les seeds, ça va être pas mal. À mon avis, il va y avoir un truc avec les graines. We know very little about its origin. But we do know it should be cherished and protected. Je crois que Jojo Bizarre Adventure est un classique. Après, je ne l'ai pas lu, donc je n'irai pas le juger sans l'avoir lu. Pour The Last Man, j'ai vu quelqu'un en parler. Je ne sais pas, je n'ai absolument pas lu. Je ne lis pas beaucoup de mangas, hein, donc j'ai lu les classiques. Là, j'aimerais bien me faire Planète. J'ai acheté le tome 1, il faudrait que j'achète le reste de l'intégrale. Et puis j'aimerais bien me faire Z-Man, j'ai commencé, j'ai toujours pas terminé. Et voilà. Mais après, je vais pas me classer comme... Enfin, je ne suis pas un amateur confirmé de manga, hein, absolument pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi là-dessus sur le chat. Moi, je suis plus roman graphique. Mais après, dans les romans graphiques, il y a des mangas. Étonnamment. Et c'est pour ça aussi que je tape un petit peu en rigolant sur... Il est moche, leur arbre. Je tape un petit peu sur les... Comment ça s'appelle ? Sur les Marvel, dans le sens que... Il n'y a pas énormément de romans graphiques Marvel. Bon, en tout cas, ceux que j'ai lus n'étaient pas déments. Mais après, j'ai peut-être pas lu les bons aussi. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Parce que des fois, on lit un truc... Oui, vas-y. Tu as déjà lu Les 9 Princes d'Ambre de Roger Zelazny? Non, alors justement, par exemple, en littérature, j'ai très peu lu. J'ai lu Dracula, j'ai lu une partie du cycle des vampires de Anne Rice,
J'ai lu des trucs de Bernard Werber, mais c'était pas top. J'ai lu, comment ça s'appelle, j'ai lu le début de... Enfin, j'ai lu une grosse partie du Seigneur des Anneaux. J'ai lu le début de Game of Thrones. Et j'ai lu Lovecraft et pas mal de SF aussi, du Asimov et du... Comment ça s'appelle, du Herbert et du... comment il s'appelle ce con? Ah merde, le mec qui a fait Hyperion, je sais plus. Bref, ceux-là quoi. Et j'aime bien, hein, mais c'est juste ça prend beaucoup de temps et je prends pas le temps de lire ça. Wow. Par exemple, j'ai lu Harry Potter... Et je suis capable de dire que Harry Potter, c'est rigolo quand t'es adolescent, quoi. Mais pour moi... Attends, c'était aussi, c'était mais clairement utilisé. Mais c'est ça le truc, c'est qu'après, il faut pas comparer Harry Potter à Fondation, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et moi, je trouve pas ça normal, dans le sens que... Bah, et mec, vous pouvez pas comparer un livre comme Harry Potter qui est fait pour être commercial et à un livre comme Fondation qui est fait pour être une œuvre. Ça, c'est comme les films, vous allez pas comparer... à un film comme, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux, à un film comme Citizen Kane. Ça se fait pas. Même si Le Seigneur des Anneaux est génial, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien ou supérieur à un chef-d'œuvre comme Citizen Kane, mais vous pouvez pas le comparer, c'est pas le même but, c'est pas la même œuvre. Petit hobby dit « Roman graphique est un nom intello pour différencier ça du terme bande dessinée qu'on assigne aux gosses. Il n'existe pas de roman graphique, un film n'est pas un roman filmé. » Alors, quoi, répète le début ?« Roman graphique est un nom intello pour différencier ça du terme bande dessinée qu'on assimile aux gosses. » Alors, oui et non. En fait, le terme « graphical novel » est un véritable terme et s'applique dans le fait que, comme tu le dis, c'est de la bande dessinée, mais à un niveau différent de la simple bande dessinée, puisque ça va jusqu'à l'importance du placement des cadres. C'est exactement comme le cinéma d'auteur, par exemple. Tu peux différencier ça dans le sens que ça sera pas la même chose, ou un jeu triple A et un jeu indé. Généralement, le jeu indé, il va y avoir de la réflexion sur chaque scène, alors que dans un jeu AAA, tu ne peux pas avoir cette réflexion-là, tout simplement parce que c'est pas le même but à la fin. Après, tu peux avoir des jeux AAA qui sont des jeux indés qui sont typés AAA, ça peut arriver. Et l'inverse. Gisberry demande si tu as lu la saga du sorcier. Oh mon dieu, j'ai réussi à ouvrir une porte. Hashtag première porte qu'on ouvre. La saga du sorceleur, non, pas du tout. Et ça ne m'intéresse pas à lire. Je suis pas. Enfin, la fantasy, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai essayé, hein, mais je trouve que ça. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui. En littérature, attention. En jeux vidéo, en film et tout, j'aime bien. Mais c'est pas quelque chose qui me hype super trop. En littérature, j'aime beaucoup la SF. J'aime beaucoup le fantastique. Alors, putain, on a ouvert une porte qui ne servait à rien. Ah, attendez, regardez. ZK dit, sinon, quand il y a eu le hashtag Fave7Games, j'ai vu beaucoup de Wind Waker. Après, marque point de suspension, du bon goût. Alors, je sais pas s'il est ironique ou non. Wind Waker est pour moi, effectivement, un très très bon jeu, dans le sens qu'il maîtrise parfaitement l'exploration et le thème de Zelda. Contrairement à, par exemple, prenons Twilight Princess, qui ne sait pas le faire. Ah d'accord, ça amène à ça, en fait. Après, j'ai encore une autre question. Mais après, encore une fois, les gens, quand vous lisez un Fave 7 machin, c'est complètement subjectif. Donc c'est pareil, vous allez dire, oui, mais c'est nul, il a mis ça, moi j'aurais mis ça. Oui, et vous avez tout à fait raison. Ça serait le vôtre, et vous pouvez pas le comparer à celui de quelqu'un d'autre. C'est les goûts et les couleurs. Techman demande en quoi Harry Potter est fait pour être commercial. Harry Potter est formaté pour être commercial, c'est tout. Après, c'est vraiment fait pour avoir un format. Enfin, moi, quand je l'ai lu, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et attention, voilà, c'est vraiment cool. Ça te donne envie de tourner les pages. C'est vraiment. Voilà. Mais après. Ouais, c'est vrai que ça reste classique. Hein, c'est voilà, l'histoire. Voilà, c'est des thématiques qui sont super. Genre, hey! Enfin, je veux dire, regarde un petit peu les mangas, tu verras que c'est un peu les mêmes thématiques. C'est genre, oh là là! Toi, le jeune garçon qui vient de nulle part et qui n'est rien de spécial, finalement, tu es un sorcier et pire, tu es l'élu des sorciers. Waouh, trop bien, je vais découvrir tout un nouveau monde. Et oui, regarde ce monde merveilleux. Enfin voilà. Après, ça peut être très bien écrit.
ça peut être c'est très... Toi, le gamin qui te fait lyncher, là, qui est une grosse merde. Oui, là, pour le coup, oui, c'est vraiment c'est d'autant plus extrême dans Harry Potter. Mais voilà, après, ça n'est pas une critique. Quelque chose de commercial ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité, hein, les gens. On peut faire de l'excellent commercial comme on peut faire du mauvais commercial. On peut être un chef-d'œuvre et on peut être chiant. Hein. Enfin, je veux dire, 2001 de l'Odyssée de l'espace, 2001 de l'Odyssée de l'espace, ça a beau être un chef-d'œuvre, ça reste un film... un peu relou à regarder quand même, et c'est pas grave de pas apprécier un chef-d'œuvre. Ça ne retient rien. Les films qui font bien leur boulot en blockbuster. Hein. Oui, tout à fait. Moi, il y a plein de blockbusters que j'adore, hein, les mecs. C'est pas. Je crois que t'as bien aimé comment ça s'appelle avec les robots géants. Là. Bah oui, j'ai adoré. Comment il s'appelle putain de merde, une personne. Je te déteste. Comment il s'appelle? Quelqu'un finir par dire sur le chat. Hein. Ouais. Ah, donc je ne peux plus monter là. Donc, à mon avis, ça a un rapport avec le fait que j'ai ouvert là-bas. Putain. Pacific Rim. Voilà. Ah, bah, il y a cette appel qui vient de le lire en plus. Je crois que tu lisais son commentaire. Mais Pacific Rim, c'est vraiment. Moi, je trouve ça trop cool, quoi. Après, je vais pas comparer Pacific Rim avec un. Avec. Merde. Avec un autre film du genre, c'est tout. Ah, attendez, vous croyez que ça j'ai niqué le truc? Ah, mais non, faut être logique, en fait. Il ne peut tourner que si j'utilise des trucs comme ça. C'est pas mal. Ça prend pas par la main. Petit mais... Bobby, type Mad Max 4, c'est un chef-d'œuvre. Bah, par exemple, Mad Max 4 est... pour moi, difficile à classer. C'est-à-dire que, pour moi, il peut se classer à la fois dans la partie chef-d'œuvre, à la fois dans la partie... comment ça s'appelle? En fait, il prend un parti. Et prendre un parti, c'est assez rare pour un film commercial. Sauf si c'est parti de faire le côté commercial, forcément. Fox Pro, effectivement, quand tu as raison, c'est, on peut utiliser le tableau des clichés pour Harry Potter. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ah merde, non, c'est pas ça en fait. Du coup, il y a un truc. J'ai niqué quelque chose. J'ai cassé quelque chose, les gens. On peut plus utiliser sans ça. Aussi bien, c'était ça qu'il fallait faire. Hein. Attendez, je vais parler au monsieur là. Peut-être qu'il y a quelque chose à me dire. Monsieur. Ah voilà. C'est bon. D'accord. Ok, donc il faut que j'aille avec Arfin, machin chose. C'est j'aime... bon. Ouais, vas-y, tu peux parler. Phoenix of Flame dit qu'il aime bien Transformers 1, 2 et 3. Ouais, bah ouais. Là, c'est un peu plus chaud, tu comprends. Mais après, encore une fois, sois heureux d'apprécier quelque chose. Ne te... Enfin, c'est pas parce que quelqu'un n'aime pas quelque chose que t'aimes que c'est pour autant que ça abaisse tes goûts. Enfin, je sais pas. Moi, il y a des gens, ils font « Ouais, tu peux pas dire que c'est ça, moi j'aime bien. » Bah oui, enfin, je m'en fous, en fait, de tes goûts. Quand je vais parler de mes goûts ou de... quand... Ou même si j'essaye d'avoir... une forme d'objectivité par rapport aux choses, bah, faut négliger totalement ses propres goûts et les goûts des autres. Enfin, je veux dire, comme je dis, Mad Max, par exemple, j'ai du mal à discerner si c'est un chef-d'œuvre ou un simple très bon film, parce que bah, j'aime trop ce film. Donc j'ai du mal à faire la part des choses. Mais voilà. Après, si quelqu'un n'aime pas Mad Max, franchement, bah, j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais après, c'est tout, je m'en branle, quoi. Je sais pas. Alec Barr demande si le réalisateur de Pacific Rim ne voulait pas adapter les montagnes hallucinées. Si, Guillermo del Toro, ouais. Mais après, Guillermo del Toro, c'est un peu monsieur fils de pute, quoi. C'est le genre de mec qui fait, finalement, je vais faire un projet, un projet tout seul de mon côté, qui n'a rien à voir, etc. Puis finalement, je vais un peu le bâcler. Enfin, je veux dire, regardez, comment il s'appelle Crimson Peak, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça vraiment bâclé, quoi. Je trouve que c'est pas ouf du tout. Mais après... Kouniafi dit que... Ouais. Attends, je crois que t'as fini par... Vas-y. Kouniafi, j'ai changé de sujet, hein. Donc... Ouais, vas-y, change de sujet. Ok, donc Kouniafi dit qu'il a détesté Le Seigneur des Anneaux. Et ben voilà. Le Seigneur des Anneaux, vous pouvez le détester. C'est... Enfin, si tu parles du livre, on est deux, hein, mec. Je trouve que c'est une purge à lire. Si tu parles du film, ben moi, j'ai adoré, mais voilà, c'est tout. Ouais, les livres, on m'a dit pareil. Mais j'ai pas dit, m'a dit que... Il y a des passages qui sautaient carrément, c'était gaffe. Ah mais en vrai, Le Seigneur des Anneaux, faut savoir que Tolkien n'est pas un bon écrivain. C'est quelqu'un qui a écrit une œuvre majeure, mais ce bouquin est chiant comme la mort, c'est tout.
Après, ça ne retire en rien le fait qu'il a énormément apporté au genre de l'heroic fantasy. Et arrêtez de me dire qu'il l'a créé, parce que c'est absolument faux. Hein. L'Elder Conan, c'était 40 ans avant, et c'était vachement mieux. Vachement mieux écrit, je trouve. Mais, quand... Vous croyez que ça peut tourner, quand même, ou quoi? Putain, je sais pas comment faire, là. Je pense que je suis niqué. Phoenix of Fame, il dit, c'est con, c'est pour ça que j'aime bien. Alors, il voulait parler de Transformers, mais je me rappelle plus ce que t'as dit. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. On va retourner au truc de l'énergie, je suppose que c'est là-bas qu'il faut que je fasse quelque chose. Après, Swappy dit on finit souvent par avoir peur d'avoir son propre avis parce que. Non, là, il y a des messages qui défilent. On a peur d'avoir son propre avis parce qu'on va te lâcher quoi? T'aimes pas Star Wars, mais t'es qu'un connard. Mais c'est ça en fait! Enfin, je veux dire. Il faut assumer ses goûts et comprendre pourquoi ça nous plaît pour faire notre popote de notre côté. Tout à fait! Je veux dire, vous avez totalement le droit de pas aimer Star Wars, surtout Star Wars, quoi. C'est pas non plus. C'est très loin d'être un chef-d'œuvre, donc voilà quoi. Après, il faut aussi, quand vous voyez un chef-d'œuvre et que vous aimez pas, et qu'on vous dit c'est un chef-d'œuvre et que vous aimez pas, il faut aussi prendre le recul de voir pourquoi on n'aime pas ce chef-d'œuvre. Parce que, et savoir être objectif. Par exemple, moi, il y a des films que j'ai regardé, des chefs-d'œuvre, machin, j'ai fait genre. Ouais, et finalement je les ai regardés un peu plus tard avec un autre regard, et puis tu te fais, oui d'accord, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, je ne l'apprécie pas, mais c'est un chef-d'œuvre. Par exemple, c'est... Comment ? C'est Citizen Kane, la première fois où je l'ai vu, j'ai fait genre... Ouais. Et après je l'ai revu, et après tu prends conscience l'époque, le truc, et tu fais genre... Ouais, c'est vrai qu'en fait c'est un peu ouf quand même comme film, c'est pas... Enfin, ça va au-delà de ce que j'ai pu apprécier moi avec mon peu de recul que j'avais à l'époque. Parce que je l'ai vu jeune, en fait, c'est surtout ça. Et pas hésiter aussi à revoir des films qu'on a vus quand on est petit et qu'on n'arrête pas de dire à tout le monde qu'on aime, comme, je sais pas, Space Jam ou des conneries comme ça, et pouvoir constater que c'est de la merde. Parce que ça, c'est important aussi, avoir un recul par rapport à ce qu'on aime. Enfin, ce qu'on aimait, pardon. Dapfev dit que Mad Max, il a vu Fury Road en premier, et il s'est ensuite regardé les deux premiers, après, et il dit, j'ai limite pas compris le rapport. Ou ils ont juste trop vieilli. Ils ont vraiment vieilli. Ils ont vraiment vieilli. Le truc, c'est que... Le 2 reste vraiment cool, je trouve. Le 1 le est... Le 2, il y a un rapport avec Fury Road. Je veux dire, les décors sont quand même très... Ouais. Même la poursuite en véhicule. Je veux dire, ouais. Avec ça, par exemple, c'est très identique. Mais le truc, c'est vrai que le premier, il a vraiment pris un gros coup de vieux, quoi. Et puis le truc, c'est qu'il a pas une prod de ouf non plus, donc... Ouais, mais en fait, le problème, c'est que quand tout le monde dit « Ah oui, mais c'est un peu un univers à la Mad Max », mais le problème, c'est qu'en général, souvent, quand on parle de jeux de films comme ça, c'est très désertique. Oui. Or, le premier... Ça se passe avant, ouais. Ben, le premier, Tu as beaucoup de villes avec une société qui essaie de tenir encore le coup, mais t'as aussi beaucoup de verdure, de campagne et tout. Ok, donc je pense qu'il faut que je fasse quelque chose là. Je pense qu'il faut que je chope un numéro de téléphone. Alors, yeah. Phoenix of Flame dit, moi j'aime tous les Mad Max, même le 3, tu vois. J'avoue que le 3, je l'ai vu il y a très longtemps et... J'ai zappé ce film en fait. Plus qu'autre chose. Donc non, je ne t'en veux pas, je m'en fous, tu peux l'aimer, c'est bien. C'est pas très grave, hein. Prince of Pain dit pour le moment, des fois j'ai l'impression que si je dis que je déteste Marvel ou Stranger Things, je vais retrouver une tête de cheval dans mon lit, Berserk pareil. C'est ça, mais par exemple, Stranger Things, il y a plein de gens qui sont là à faire « Ouais, meilleure série du monde, allez mecs, faut vous calmer un petit peu, c'est franchement une bonne série. On est très loin d'être la meilleure série du monde, c'est une série qui est hyper inspirée, elle marche parce qu'elle est inspirée de tout ce qui existe déjà. On va voir ce qu'elle donne dans la saison 2. » Que Game of Thrones, c'est la meilleure série du monde. Après. Oui, mais c'est pareil, Game of Thrones, c'est sympa, hein, mais il y a quand même des saisons qui sont carrément à la ramasse. Ouais, quoi. Moi, ça commence à me faire un peu... Ça commence à me lasser, bon, personne. Bah, le truc, c'est que je trouve que les dernières saisons sont vraiment à la ramasse, donc ouais. Surtout, enfin, la dernière saison particulièrement. Et non, encore une fois, en plus, après, n'hésitez pas à ne pas du tout aimer, c'est pas grave. Je trouve que c'est ultra prévisible. Ouais, bah, je suis d'accord. Et aussi, en fait, il y a tellement de personnages qui meurent qu'au final, quand il y en a un qui meurt, je fais « Ah, ouais, ok ».
Ça me touche même plus en fait. Bah c'est pas fou. Et en fait, je suis plus attaché à aucun personnage, du coup, s'il y en a qui meurt, je vais me faire ah, ouais, il est mort. Bon, ça fera une plus quoi. Ah, et puis il y en a, j'aimerais bien qu'il meure par contre. Ça serait bien qu'il se dépêche de crever. Et j'ai cru voir des messages intéressants, j'étais perdu. Foxfro, demande si tu as vu le livre d'Eli. Non. Mais je connais ça. Bon, comment on fait pour aller là-bas? Loulou qui dit que les livres God sont vachement mieux. Je pense. Puis le truc, c'est que clairement, la série a dû ultra simplifier plein de choses, quoi. Ça me semble évident. Dapef qui dit oui, en parlant de Max, dans les premiers, il y a une sorte de réalisme en fait pour moi. Il y a des gens pas trop perchés, quand je vois Fury Road, c'est autre chose, c'est désertique, mais je pense que c'est surtout le côté graphique rendu de l'ambiance qui m'a bloqué. Ah bah oui, mais c'est ça, le truc c'est que le dernier est genre complètement craqué du cul, quoi. Enfin, dans tous les sens, et c'est ça que j'adore, mais c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde déjà. Ouais, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, les gens. Je suis genre absolument paumé là. Genre deux trucs que je peux interagir. Il y a un. Il y a des quatre qui demandaient. Je trouve plus un message. Ouf, il y a du popping de texture. En fait, je pense que le jeu repose sur. Les moteurs de jeu qui rendent le jeu au fur et à mesure que tu arrives et. C'est pas forcément le meilleur choix pour des grands panoramas comme ça, des fois ça passe ou ça casse. Je sais vraiment pas quoi faire, les gens. Félix Orphelin dit qu'il est l'un des rares à pas aimer Doctor Who. Bah par exemple, Doctor Who c'est pareil quoi, on est très loin du chef-d'œuvre. Hein. Et Castor demande s'il est bien ce jeu ou pas. Je sais pas. Pour l'instant je trouve ça très cool, après je sais vraiment pas ce que je dois faire. Je pourrais pas vous dire je vois ce qu'il faut faire, non, j'en ai vraiment aucune putain d'idée quoi. Non, Karn dit le dernier Mad Max fait très Borderlands, même si Borderlands pompe Mad Max. Mais c'est ça qui est drôle, on est vraiment. Ah attendez. Voilà en fait. Faut que je le mette comme ça en fait, je pense. Attendez. Ah oui, voilà. Il y a Deadcat qui dit: en parlant de chef-d'œuvre, de manque de recul, que penses-tu du plus grand chef-d'œuvre de cette ère, Les Aventuriers du Système Solaire? PS Film Ever. Ça, c'est le nanar qu'on a regardé la dernière fois en dessin animé. Film dessin animé. Bah, moi, Doctor Who, c'est pas que j'aime pas, mais faudrait que je m'y mette, faudrait que je chope les saisons et tout. Fin. Et je la flemme. Attendez. Oui! Oui! Les gens, on y est arrivé. J'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Faut s'attacher. Vous croyez que ça va éclater ou non? You fuck this up. Ouais, y'a Volaï qui dit: en fait, je remarque que Fallout depuis 3 et Mad Max suivent le même chemin. Le MM1 et F3 sont cool. C'est-à-dire le. Ah, Mad Max 1, ok, et Fallout 3 sont cool par rapport au sud. Mais mal vieilli. Le 2 et New Vegas top. Et puis le dernier juste What the Fuck. Ouais, enfin, okay. Vraiment quand même. Parce que Mad Max. Attendez, ça donne de l'énergie où? Le dernier Mad Max est quand même mieux que les derniers Fallout. C'est ouais, bon, y'a de l'énergie partout, les gens. Wouh! Bravo. Putain, hey, franchement, la première quête était hardcore. Putain, je peux toujours pas ouvrir cette pute de porte. Il est content s'il y a le courant, mais il veut toujours pas ouvrir la porte. Prince Opé qui dit: il s'agirait pour dégouverner toute Battlestar Galactica. Et après, il dit: un seul livre, Dune. Voilà, j'ai été trop tolérant avant. Bah,
Franchement, c'est vrai que Dune, c'est un peu la vie quand même. Et Battlestar Galactica aussi. C'est ça qui est compliqué, c'est que... Battlestar. Une fois que vous avez... Enfin, moi j'ai commencé vraiment les séries en regardant Battlestar Galactica, les mecs. Hein. Donc maintenant... Et Six Feet Under. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai un peu l'impression que quand on me dit « Ah, cette série, elle est trop bien » et qu'on me donne une série comme genre... comment ça s'appelle ? Putain, American Horror Story, j'ai un peu... Non, sinon c'est pas bien, en fait. C'est pas... Non. Voilà, après, c'est toujours la même chose, quoi. C'est question de recul, question de, du passé qu'on a par rapport à ces œuvres-là. Et forcément, toute l'expérience fait que on peut pas apprécier les mêmes choses de la même manière. Hein. On a tous des goûts uniques. Et c'est ça qui est beau. Il y a un petit bruit qui dit Got, enfin Game of Thrones, c'est beaucoup de vide saupoudré de morts de perso, rien de plus. J'irai pas jusque là, mais après en fait le truc c'est que je trouve qu'il y a pas mal de... Enfin il manque quand même beaucoup de choses pour vraiment m'intéresser au long terme. Ah attendez, musique. On va parler à monsieur là. Ah là c'est bon. Ouais, je pense que c'est sympa. Attends. Niveau série. Vas-y. Putain il s'appelle Cécile. Oh merde, c'est CW, c'est celui auquel il faut pas faire confiance. Merde. D'accord, Carfin en fait c'est fucking. Ou fracking. Lol. C'est vraiment intéressant, j'ai envie de savoir ce qui se passe avec Scarlett Johansson dans le truc qui a rien à voir, mais... Wouh, on peut ouvrir les portes. Musique, les gens. Ambiance. Putain, visite de lieu. On a le wagon. Oh non, c'est pas un wagon du tout. Je l'ai de la merde. C'est bon. Ouais, ouais. Ah, attends, attends, vas-y, vas-y, je vais le lire avant. Il y a Speed Demon qui te demande ce que tu penses de Waterworld. Voilà, j'espère parce que qu'il ça... Dit, ouais, donc, vu que t'as aimé Mad Max, il dit que Waterworld qui est une sorte de Mad Max avec de l'eau. Ouais, et mal réalisé aussi. Et mal écrit, et mal joué. Mais ouais. Alors, projecteur de volume solide Moran, projecteur dimensionnel pour des apparitions qui semblent solides, dotées de lumière, de volume, etc. D'accord. Putain, il y a tout le truc quoi. Ok, et ça. Fonctionnalité de la machine d'échange d'un grain embarrassadrice, blablabla. Ça. Demande de projection du mer, canyon, machin, membrane, paroi, cellule, la paroi, tour, générateur de locomotive. D'accord. CW, merci de modifier le code de Farley pour assurer la sécurité de la crypte. Son adresse à l'envers devrait faire l'affaire. Cordialement, Joseph Johnson, maire Johnson. Merci, mais code de Farley. Son adresse à l'envers. Liste des bouclages.
Ok, donc là on a une masse de trucs de ouf quoi. Holy Wars n'a pas aimé le soleil vert. Solian Green, sans intérêt à part une scène. Alors qui attendez. Est plutôt belle. Tain, moi je trouve que Solian Green est vraiment vraiment un excellent film de SF par exemple. Et il faut le recadrer aussi par rapport à son époque. Alors attendez. Petit W que Rowling parle. À cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Ça, c'est l'expression là. Hop. Bobby, petit Bobby n'a pas aimé le parrain. Il a trouvé chiant, moi. Et voilà, par exemple, petit Bobby, ça montre que tu n'as aucun goût. C'est bien. Et voilà, ça y est. Aucune tolérance. Ah, en gros, pour moi, il y a deux films qui sont réellement des chefs-d'œuvre absolus, et c'est Le Parrain et Le Bon, la Brute et le Truand. Qui sont absolument parfaits dans le sens que agréable à regarder, et niveau réel et jeu d'acteur, on est au top of the pop. Hop. Ça, ça va. Tellement l'impression de faire de la merde dans le jeu. Wouh! Maman pour l'affiliation dit. Dis merci. Non. Ah, c'est toi qui dis merci? Bah, de rien. Littlefinger dit que pense de Minority Report, c'est un de mes films de SF préférés. Alors, fais gaffe. Alors, Minority Report, je trouve qu'il est sympa sans plus. Je trouve que bon, il se laisse regarder clairement, mais un peu comme tous les films de Spielberg. Hein. Mais après, je trouve que c'est pas le meilleur film de SF dans lequel a joué Tom Cruise, et c'est pas le meilleur film de SF qu'on peut se voir. Il y a quelqu'un qui a dit que Darth Luther, que Blade Runner est un de ses films préférés. Ah, mais Blade Runner, ça par contre, c'est un des. Un putain de jeu. Je l'ai aimé, mais j'aurais pu plus l'apprécier si j'avais eu la bonne version. Ah, oui, mais c'est ça le problème, il y a 10 000 versions. Moi j'ai une version incomplète quoi. Ah ouais, bah... à la fin du film tu vois un truc, mais le problème c'est que t'as pas eu la scène avant dans le film qui te fait con, qui te fait dire la fin. Et en fait c'est en lisant le résumé j'ai fait. Ouais voilà. Le problème c'est qu'il manquait une scène, mais je veux dire c'est débile. Du coup il faudrait qu'un jour je me rechoppe le film en bonne version. C'est du Undertaker. Vincent, il y a Vincent Theron, il dit plus ça, plus j'ai l'impression que Maxime n'aime rien. Eh si, je viens de vous dire que je veux dire deux de mes films favoris. Maxime se transforme en Jex. J'aime énormément de films. Le truc, c'est qu'après, si vous me citez des films que j'aime pas, bah, je vais vous le dire. Je vais pas vous dire oui, c'est vrai, je l'aime bien. Si j'aime pas, hein, c'est pas grave. Et Jean dit franchement, je trouve que dans la bombe, la beauté de Troyes, il n'y a pas assez d'explosion. Attends, mec, il y a un pont qui explose. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, je n'ai pas vu Jupiter Ascending, j'aime bien préserver mon temps pour des bons films. C'est quoi Jupiter Ascending? C'est le dernier film des sœurs. Des sœurs Wachowski. Et c'est de la merde? Oui. T'as peut-être pas entendu, j'ai dit des sœurs Wachowski. Ils ont pas fait beaucoup de bons films, hein. Et je les connais pas, ils ont fait quoi? Matrix? Hein, je m'en souviens plus trop de Matrix, mais je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps. Ils ont, parce que du coup, c'est les deux sont trans, donc c'est un peu compliqué selon les époques. Mais du coup, ouais. En gros, elles ont fait notamment, comment ça s'appelle, le Speed Racer, qui est rigolo. J'ai pas dit qu'il était bien, les gens, qu'il était rigolo. Et voilà. Voilà. Castor vient de mettre une photo des Sarah Wachowski. Et du coup, c'est rétroactif? Bah, techniquement, c'est ça qui est compliqué, je trouve. Je sais pas si c'est rétroactif ou pas. Y a-t-il des gens trans qui peuvent nous dire si c'est rétroactif ou pas? Ou des gens qui sont pas trans mais qui peuvent savoir?
J'aime d'avance. Si tu as aimé les visiteurs. Je ne l'ai pas vu, car une fois, j'aime préserver mon temps pour des choses de qualité. Vous le dites-il après avoir joué 5 heures à No Man's Sky aussi. Hein. J'ai vu aucune réponse, je pense. Il y a clairement un truc à faire ici. Notamment avec ce truc là. Katozoris aime bien les films Tomb Raider. Ben voilà, t'as le droit d'avoir un très mauvais goût. Parce que les films Tomb Raider... Mais encore une fois, après vous pouvez... Enfin, c'est pas grave d'aimer un film qui est... Moi j'adore Crank par exemple, donc Hypertension en français. Et je reconnais, c'est pas le meilleur film du monde. Et je m'en fous, vous aimiez pas. Vous pensez que je peux ouvrir là-bas? Il y a un bouton à peu près. Nique ta mère, je peux pas voir ça encore. Ce jeu me fait vraiment penser à Myst pour le coup. Et vraiment ce côté genre, je ne sais pas où je vais et je pense que personne ne sait. T'entends bien, dit leur sexe actuel est féminin, du coup, parler de leur sexe, en même passé, on dit elle. D'accord. Ah, belle image de Crank 2. Je crois. Bon jeu. Mais Crank est vraiment, vraiment trop bien. C'est tout. C'est un excellent film d'action. Après, il faut être honnête, ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est un excellent film d'action débridé qui est capable d'aller très loin sans aucune retenue. Et ça, c'est super rare. Vous imaginez pas à quel point c'est super rare. Castor dit que c'est dans le 2. C'est bien dans le 2. On peut gagner assez demain si tu as déjà vu un épisode de Chroma. Oui. Mais je crois que je les ai tous vus. Je sais pas. Bah, je trouve que c'est vachement inégal en fait. Mais après, c'est peut-être parce que je suis pas super fan, en fait, de l'écriture. Bon, voilà. Après, encore une fois, si vous... Enfin, j'ai rien contre. Bon. Mais... Je suis pas... Enfin... C'est pas spécialement fait pour moi, quoi, je sais pas. Puis c'est pareil, je trouve qu'il enfonce beaucoup de portes ouvertes, en fait. Et c'est le genre de truc qui ne m'intéresse pas vraiment. Mais bon... Après, si vous aimez bien les gens, c'est... Je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui font « Ah ouais, mais moi je trouve que c'est vachement mieux fait que toi. » En même temps, tu fais pas de crédit. Mais c'est ça. Mais bon, après... Ça déplaît toujours aux gens quand je dis que je suis pas super fan de quelque chose. Je sais pas s'il y a un secret, là. Mais j'ai l'impression que la faire tourner sert à quelque chose. Et je me dis que peut-être à la fin je serai heureux. Je vais continuer à faire tourner cette boule. Peut-être en l'alignant avec le soleil. En tout cas, ça nous donne une belle vue. Et ça, yeah. Ça n'a pas de prix. As the Peak qui te cite disant il enfonce des portes ouvertes et qui rajoute dis le mec qui fait spoiler. Ah bah oui, mais tu peux pas comparer. Si. Non. C'est un peu bizarre de comparer. Hop. Bon, c'est mort. Mais on peut pas, genre, ouvrir une porte avant par une porte ouverte ou ça. Il y a pas de faute dans le nom du jeu. Non, c'est pas abduction, c'est vraiment obduction. Attendez, vous avez vu là? D'accord, en fait, c'est juste le putain de logo de merde qui s'active. Putain! Et puis, tout à l'heure, je croyais qu'il y avait vraiment un truc et tout, mais non, c'est juste le logo de rond qui s'affiche à différents endroits, je suis trop deg. J'avais cru que c'était un vrai truc dans le jeu et tout. Il y a Vladjo qui demande si tu as vu les films de Jim Jarmusch.
Jarmusch. Rappelle-moi ce qu'il a fait, je te dirai, peut-être. Farley est alimenté, donc on va aller à Farley. Ah non, il a raison, hein, il y a une faute. C'est vrai ? Ah ouais, parce qu'en fait... Ah oui, j'ai mis obuction, effectivement. Oui. En fait, j'attendais que ça repasse pour vérifier si c'était pas là qu'il y avait une erreur. Oui, effectivement. Oups, voilà. C'est obduction, effectivement. Le jeu tourne sur PC. Ouais, je ne sais pas s'il est sorti sur un autre support, peut-être. Ouais, je pense que ça tourne sur PS4, ça. Et Félix Aflame qui dit qu'un de ses nombreux plaisirs coupables, c'est Van Helsing avec Hugh Jackman. D'accord. Eh ben, ouais, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Bah, tu vois, Alec Barr, par exemple, ce que tu dis sur Signe, ouais, mais ça, si tu vas sur Reddit régulièrement et que t'as vu des posts là-dessus ou que t'as déjà vu des vidéos américaines là-dessus, c'est une théorie qui est là depuis 1000 ans, quoi, genre. Donc, pour moi, il enfonce des portes ouvertes dans le sens que c'est des choses... C'est un peu comme le premier épisode de Crossed. Je me rappelle entendre des gens faire « Waouh, mais c'est trop bien ce qu'il dit sur Mario !» Oui, mais, enfin... C'est la base du level design, c'est quelque chose de connu. Après, attention, je ne le critique pas en disant ça, dans le sens que bah, c'est bien de le rappeler, il y a des gens qui ne le connaissent pas, et c'est toujours bien. Mais du coup, ça n'ajoute pas, pour moi, en tant que spectateur, de qualité. C'est-à-dire que ça ne va pas me faire... c'est pas mind-blowing, quoi, c'est genre, ah oui. Ouais, mais en même temps, je veux dire, il s'adresse à la communauté de JVC, donc il est obligé de repartir de zéro. Alors attendez, il a marqué son adresse, il avait dit machin, adresse à l'envers. Son adresse, on la connaît. C'est... Putain, il y a bien une guêpe du futur là-bas. Hein. Salope de guêpe du futur. Donc c'est bien 1436, donc le code à l'envers c'est 6431, attendez. Je vais dire qu'il y a bien des chiffres. Ouais, son adresse c'est ça. Hein. 1436, donc c'est bien 6341, le code. Mais quel code, vous allez me dire? J'en sais rien. 6431, c'est ça? 6341. Oui, D4, on peut ajouter Karine de Bache à la longue liste. Je l'attendais. Le trash talk de Maxime. Castor, bonne idée. Isaac Enfen qui dit bah le code pour la porte avec la calculette, non? Bah c'est ce que je me suis dit. C'est là où je vais. Y'a Gouniafé qui te met 6, 3, 4, 1 au cas où. On y va tranquillement. Ah mais Castor, tu peux pas faire. Ah, y'a un top 10 à la limite, mais tu pourras pas le poster sur Twitter, hein, parce que c'est 140 caractères maximum. Et avec Maxime. Voilà. Eric Da Silva, il est en numéro 1. Mais est-ce qu'il est youtubeur aussi? C'est ça la grande question. Pareil, est-ce que Karim Debache est youtubeur? Vu qu'il poste que sur Dailymotion. Grande question. Aussi bien, il n'y a pas d'énergie. Oh putain, les mecs, je suis sûr qu'il n'y a pas d'énergie en fait. Ah si, il y a de l'énergie, ça. Ah non, c'est 6341. Wouh! Il y a Svartman qui dit, et le chef Otaku, on est d'accord que c'est juste un mec qui comprend d'une part d'éviter des insultes de temps en temps et de temps en temps un mot correct avec une critique simple. Je sais pas, j'ai jamais regardé, je sais pas ce que c'est le chef Otaku. Pareil, je connais pas. Putain les gens, on a une map. Ah c'est ça qu'ils appellent la ville. Ouais, en même temps c'est vrai que c'est une... Oui, lui tu peux le mettre. Putain, il y a des mots et tout, on a des trucs à lire, les gens. Je vais consigner les étranges événements survenus à ma famille, à mes amis, à mes collègues et à moi-même. Hartnell était un paisible village minier fondé par mon grand-père et niché dans les roches rouges du désert du territoire de l'Arizona. 163 habitants ont entendu une puissante explosion dans la nuit du 27 juin 1903.
J'ai envoyé plusieurs ouvriers vérifier que la détonation n'avait pas fait le blessé, mais ayant endommagé le matériel minier, ils sont revenus m'annoncer qu'il devait s'agir d'un coup de tonnerre dû à un éclair isolé car ils n'avaient pas constaté le moindre dégât. Ce n'est que le lendemain matin que nous avons découvert qu'il s'était en réalité produit un bouleversement de taille. Pendant la nuit, toute notre exploitation minière ainsi que les terres sur un large rayon alentour avaient été arrachées et emportées vers un tout autre lieu sans que personne ne s'en soit rendu compte. Au-delà de notre disque extrait du désert, les paysages nous étaient totalement étrangers. De gros rochers flottants étaient visibles dans le lointain. Personne n'avait jamais rien vu de tel sur Terre. Nous tentâmes d'explorer ces nouveaux alentours, espérant trouver un moyen de rentrer chez nous. Nous n'en trouvâmes jamais. En fait, nous découvrîmes bientôt ce que nous savons tous aujourd'hui. Il nous est non seulement impossible de rentrer chez nous, mais même de quitter notre portion de désert. Étonnamment, nous constatâmes que l'eau s'écoulait depuis une roche en hauteur et qu'un tout petit arbre poussait au centre même de notre domaine circulaire. L'arbre central, si important pour nous aujourd'hui, n'était alors qu'une jeune pousse. Description de l'effet Mofang. Les Mofang ont été les tout premiers non-humains avec lesquels nous sommes entrés en contact. Liang a baptisé l'étranger Mofang en raison de nos capacités à imiter nos sons, nos mouvements et nos manières. S'ils se désignent probablement sur un autre nom, leur langue est quasiment imprononçable par l'humain. Ok. La morphologie externe des Mofang est remarquablement humanoïde. Quatre membres, une symétrie bilatérale, de déplacement bipède, déplacement des traits bougeux parmi les autres, spéosité corporelle minime, protubérance dorsale. Ah putain, je m'attendais pas à avoir un truc comme ça, ça m'a vraiment fait un coup au cœur. Ok, blablabla, il y a plein de trucs. Ah d'accord, ça c'est les mouches que je vois. Ça je sais pas, j'ai pas encore vu. Putain, il y a de la lecture les gens. Ah, il est dégueu lui. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est la chimpanzé qui dit c'est triste de ne prendre que Shane Murray comme cible, sachant que Sony est sûrement beaucoup plus responsable de ce fiasco. Non. Non. Non, 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 non. Regardez les vidéos. Certes, mais c'est grâce à eux que le jeu a été marketé en AAA avec le prix qui suit. Ah, il a jamais été marketé en AAA. C'est Shane Murray qui a fait. Il a menti tout seul, Shane Murray, comme un grand. Dans les interviews, il n'y avait pas Sony derrière. Après, je suis d'accord que Sony a certainement dit bah, les mecs, vous pouvez peut-être mettre le jeu plus en avant, machin, etc. Et c'est eux qui sont. Qui ont mis leur. Leur billet là-dedans, mais bon, on va pas exagérer non plus. Ouais, mais ceux-là sont pas allés voir pour qu'ils disent que. Oh, dites qu'il y a du multijoueur, dites qu'on peut tout faire. Non. Ok, donc ici, il y a quelque chose. Ou bien c'est là où je suis. Je ne sais pas. Welcome. Baker et Compensator. Putain, attendez, on est devant la maison? Ah merde! Donc nous, on est là. Et quelque chose ici. Ah, y a plein de bouquins, y a plein de trucs à lire, c'est cool. Enfin, faut aimer. Ah merde, il est dégueulasse. Il est horrible. Ah mon dieu. Ah, une cassette audio. Il y a Deadcat qui me dit l'argument de c'est Sony, c'est celui d'Atomium pour expliquer toutes les merdes du jeu. J'ai pas entendu Atomium dire de... J'ai pas entendu. Atomium défend le jeu du coup. Il fait partie de ces 10% de joueurs qui y croient toujours. En fait, on ne sait pas, mais avant chaque interview, il y a un mec de Sony qui est venu coacher Shane Murray pour qu'il dise des mensonges. C'est ça. Non, ne dis rien de vrai. Tu diras toujours oui avec un visage de gros connard. Voilà. Et tu rigoleras en tournant un peu la tête dès qu'on te posera une question un peu gênante.
Ça parle là ou... Non, c'est fini alors, attendez, appareil. Ah. Il y a que maintenant qui tient parole de No Man's Sky. Atos s'est bien fait avoir quand il a vu la finalité de la quête de Atlas. C'était juste magique de voir sa réaction. C'est vrai? Elle est en... C'est en vidéo? Vous avez la vidéo? Vous pouvez m'envoyer la vidéo parce que j'ai pas vu un vrai joueur réagir à cette fin. Enfin, si, mais des gens que je connais pas, quoi, donc c'est moins drôle. C'est plus drôle quand c'est quelqu'un qu'on connaît. Et que tu détestes. Pauvre Atos. Oh, ouais, attendez. Je me demande ce que ça montre. Bah, en tout cas, parce que je pense qu'on va bientôt terminer le live là, mais en tout cas, ce jeu m'intrigue vraiment. Si vous aimez les jeux de. Comment ça s'appelle? D'exploration et de. Et de puzzle dans enquête, j'ai presque envie de dire. Je pense que ça peut être pour vous. C'est vraiment, vraiment. Vraiment très intéressant. Moi, je dis Maxime qui trash talk Melcy. Tout à fait. Sur ce, No Man's Sky et la fin de l'Atlas. Allez hop. Je me le réserve pour. Ah, il y a une pub. Voilà. C'est bon. Hop là, moi aussi j'ai mis en pause. Oh, mais ça dure 40 minutes? Ah, c'est à quelle minute? C'est peut-être marqué ouais. À la fin. Je vais pas me taper 40 minutes. Ouais, pareil, quoi. Hop. Ne spoilez pas la fin de No Man's Sky sur le chat. 10 minutes avant la fin, donc vers 30 minutes. Ah, ça va. Qui t'a dit ça? Bah, ça se voit en fait quand tu regardes les images. Ouais. Même ça se voit quand tu regardes les images. Bon, je me mets. Je vais mettre à 30 minutes comme ça. Hop. Allez, c'est ça parti. Ça fera que 10 minutes à regarder. Bah, après, Atomium, c'est quelqu'un qui est très. Je l'ai jamais entendu critiquer un jeu. Peut-être qu'il l'a déjà fait, mais je l'ai jamais entendu. Mais c'est voilà, c'est quelqu'un de passionné et qui aime beaucoup les jeux vidéo et qui a pas envie d'en dire du mal. Et je peux le comprendre, puisque bah, un peu comme nous tous, il dépend aussi d'énormément de développeurs indépendants, etc., pour pouvoir faire son site, etc. Donc il peut pas non plus être, on va dire, puis c'est pas dans son style d'être très agressif envers un jeu. Moi, j'hésite pas à dire c'est de la merde, etc. Et même qu'on s'en est pas forcément d'ailleurs. Mais c'est plus mon style, c'est tout. Lui, c'est pas du tout son style. Je le vois très mal défoncer un jeu comme je peux le faire de temps en temps, c'est tout. C'est pas son style, c'est pas ce qu'on demande à Atos, donc c'est pas mal. Mais j'ai déjà vu dire sur des jeux genre ah, c'est pas mal. Alors que moi, j'aurais dit non, c'est de la merde. Mais voilà, c'est tout. Chacun son style, c'est ça qui est bien aussi. Si tout le monde était comme moi, ça serait insupportable. Si tout le monde était comme Atos, ça serait insupportable. Donc voilà. Moi, je suis irascible. Ouais, voilà. Je suis une sale bête. Il a un jeu à faire gagner. Ah, c'est quoi, dis-moi? Van Helsing Final Cut. Ah, c'est du bon en plus. Ouais. Hop. Le Final Cut, c'est celui, c'est les 3 en 1 en plus, non? C'est le dernier, en fait. C'est le dernier et je crois qu'il compte comme les 3 en 1 dans un seul. Je sais plus. Donc Undertaker. Très bien, et eh bien merci beaucoup à toi. Donc on va faire un petit concours. Hop. Quel est le. Du coup, dès que le live est fini, hop, je lance la vidéo. C'est un peu du foutage de gueule. Et Castor a raison, hein. Tu viens d'avouer que tu avoues en live que tu ne supportais pas Atos pendant 40 minutes. Non, une vidéo. Merde, je me suis planté. Bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Voilà, hop. Et c'est quoi le jeu déjà? C'est Van Helsing Final Cut. Final. Ah, c'est ça, hein. Ouais, c'est les 3 jeux dans le premier remaster. Voilà, c'est cool quand même. Ouais, du coup, merci putain, beaucoup, lui. Ça vous fait 3 jeux en
Donc, quel est le pire jeu du monde? Est-ce que c'est Soma, Fallout 4, No Man's Sky, Jean-Michel Apathy ou le jeu que vous voulez, ou le jeu que vous voulez, plus petit que 3? Belgen USA, t'as précommandé un jeu indé? T'as précou quoi? Je connais pas de jeu indé après coup que j'ai fait en live. Non mais la question, les gens, vous savez ce que c'est. C'est Jean-Michel Apathy, c'est sûr. Moi j'aime bien c'est faire genre je connais pas la réponse, je trouve ça tellement stupide. Mais la skill, je crois que c'est toi qui le fais et qui choisis la réponse finale. C'est vrai. Non ouais, Van Helsing, il est cool. Déjà, les opus précédents étaient pas dégueux. Et ce machin, cet épisode est encore meilleur. Mais il faut que je fasse le dernier, moi, du coup. Et j'ai jamais pu y jouer en profondeur. Mais voilà, c'est comme Grim Dawn, c'est du bon, quand même. Il y a Victor Fran, qui est pas trop mal non plus. Je crois qu'il y a un petit là, Diablo 3, c'est correct aussi. Ceux qui font Van Helsing, ils vont faire un Warhammer. Ah, c'est cool ça. Eh, soit dit en passant, 40 000 Inquisiteurs martyrs. Il y a un truc qui me fait trop rire. Il y a des gens qui m'ont. En fait, les développeurs m'ont passé une clé pour le jeu In Case of Emergency Release Raptor. Qui est donc un jeu où vous incarnez un Vélociraptor contre des robots. Mais en fait, j'avais complètement oublié qu'ils me l'avaient passé. Et maintenant, le jeu est sorti. Donc, je précise, ils me l'ont passé la clé il y a genre un mois. Mais du coup, je vous le ferai peut-être avec d'autres indés comme ça, pour voir si des petits jeux sympas. Voilà. Mais ils offrent des jeux à des... Comment ils font pour choisir à qui ils offrent, en fait? Aucune idée. Ils prennent genre ceux qui ont beaucoup d'amis, peut-être, ou alors... Peut-être, je sais pas. Allez, c'est parti. Qui a gagné? Attention. Donc, c'était bien le jeu que vous voulez le plus petit que... plus petit que 3. Et que c'est Zarkam! Zarkam qui m'a trollé comme tout à l'heure. Hein. Comme un salaud et qui gagne. Comme par hasard à jouer avec moi à Division. Hein. Enfin, après. Mais the way, j'aimerais revenir sur seulement à propos de D3 que je t'ai infligé. Je suis maintenant conscient que c'est un jeu de merde. Que Wizard nous a bien enculé. Quoi? D3, c'est quoi? C'est Diablo 3? Diablo 3. Mais pourquoi? C'est un jeu de merde? En vrai? Je sais pas. Bon, après, c'est un hack and slash qui a été beaucoup casualisé, quoi, on va dire. Mais ça, c'était dès sa sortie en même temps. Singularity ne m'intéresse pas du tout, Edwin, mais c'est gentil. Ah, Singularity, c'est sympa. Je l'ai fait en live, en plus. Non, j'ai cru que c'était un sondage, moi. Bah, moi je trouve que ce Diablo 3, à la sortie, il était vraiment pas top. Maintenant, il est quand même bon, quand même, les mecs. Surtout avec la donne, je trouve qu'il est vraiment top. Hein. Moi je me fais un peu chier quand j'y joue, quand même. Après, c'est un type de jeu, et puis on va dire que le scénario, c'est pas. J'aime la force. Slash, hein. Ouais. Voilà, Van Helsing, je me suis éclaté dessus. Voilà, Grim Dawn est vachement bien. En vrai, c'est surtout ultra pompé sur plein de jeux. Il ne faut que rajouter des babioles pour éviter le bashing qui était violent. C'est possible que ce soit pompé. Mais après, c'est un peu but. Enfin, de Blizzard quand même, pomper d'autres jeux. Hein, ils font un peu que ça quand même. Mais c'est pas grave. Leur univers. Bah voilà, leur univers, c'est que du pompage. Hein. Que ce soit Diablo, que ce soit Warcraft, j'ai dit Warhammer, comme quoi. Ou Starcraft, ou Overwatch, qui est pareil, très inspiré de beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pas très grave. Hein. J'aime beaucoup le style, mais ils nous ont bien eu. Ah bah oui, mais ça... Maintenant, je trouve que franchement, le jeu est bien, est tout à fait correct, et on peut bien s'amuser dessus. Et Grim Dawn, il y a plein de choses à faire, effectivement, c'est un bon jeu que je vous conseille. Sur ce, moi, je vais passer ma nuit, parce que je dois faire une nuit blanche, mais je pense que je vais passer ma nuit blanche sur Deus Ex Mankind Divided, pour découvrir... Bon. J'ai déjà passé, soi-disant, 10 heures dessus, alors je pense pas que ça soit 10 heures de jeu continu, parce que je pense qu'il compte les moments où je ne lançais pas le jeu, et que j'étais en pause, et que j'allais faire des trucs, comme d'hab, mais en lançant seulement le launcher, donc je pense que j'en suis plutôt à 5 bonnes heures de jeu. Voilà.
Sur ce, eh bien, mon cher Jacques, je te souhaite une bonne nuit et je te remercie de m'avoir accompagné pendant ce live. De rien. Bonne nuit à toi et au live aussi. Tout à fait. À plus. À plus. Et du coup, le jeu, c'était, je le rappelle, un Obduction, si vous voulez y jouer. Et c'est très proche de Myst. Je pense qu'il faut être prêt à s'investir à niveau, comment ça s'appelle, niveau énigme et tout ça. C'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est très beau et très cool. Et voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vendredi soir à 21h, il y a un Gloobi FM sur l'e-sport et le streaming avec notre ami Kyubi qui sera là. On fera aussi peut-être un live demain nuit, mais je ne vous garantis pas parce que je reste très fatigué. Voilà. Sur ce, bisous, bisous, bisous partout. N'oubliez pas aussi, si vous êtes dans le coin de Châlons-en-Champagne ou de Reims, je serai à Châlons-en-Champagne, à la foire de Châlons-en-Champagne, samedi, toute la journée, et notamment pour deux conférences vers 16-17h sur YouTube et sur les jeux vidéo en général. Voilà. À bientôt, bisous, bisous, bisous partout, et je vous laisse avec le générique de fin qui trouve le cul. Qui est le générique de début, on le sait tous. C'est pas grave, c'est pas grave. Chut. Je vais essayer de pas faire comme hier, à couper le générique de fin et pas mon micro. Il y a quelqu'un qui me dit sur Twitter que vu comment je galère pendant le live, j'ai jamais dû toucher à Myst. Alors effectivement, je n'ai jamais fait Myst, mais c'est loin de ça. C'est surtout que, enfin, ce genre de jeu en live, c'est vraiment pas l'idéal. C'est un peu comme si The Witness, je l'avais fait en live. Je crois que ouais, j'avais fait une partie en live. Mais vraiment, ça, non, faites pas ce genre de jeu en live. Ça vaut pas le coup.